Salut Aïdenis, tu m'entends bien? Dis-moi si jamais tu m'entends pas bien, ça fait un moment que j'ai pas fait de live, donc je sais pas si mon micro est bien réglé. Ok, bah génial. Du coup, je commence une commission pour une amie qui m'a demandé un lapin Slenderman. Voilà. Donc, je sais pas si tu vas bien voir, mon éclairage est pas tip top, mais voilà. Je fais du mieux que je peux. Hop. Du coup, je pense que je vais essayer de lui faire une ambiance un peu creepy en noir et blanc, quoi. Un peu, voilà. Mais avec un lapin quand même un peu mignon. Je lui avais déjà fait une petite ATC. Rien que pour elle. Je me concentre, du coup.
D'habitude, je mets une musique en fond, désolé pour le silence, mais là, avec tous les mots de passe que j'ai changés et tout, ça a été un bazar complet, déjà rien que pour me connecter sur le stream. Donc, du coup, il n'y a pas de musique en fait. Hop. Je voulais faire des lives d'Halloween avant, mais j'ai pas eu le temps. C'est bête. Hop. Du coup, je vais faire un format 24-32 et une fois que le dessin sera fait, je vais lui faire ça à l'aquarelle. Tac. Je sais pas si t'as un gros décalage aussi, normalement non, par rapport au son et tout. Pas hésiter à me dire, ça fait bien 2 mois que je suis pas venu faire de live, du coup les paramètres, tout ça, c'est possible qu'il y ait besoin de les bouger. Première fois que je fais un live tradi en plus. J'espère que je vais pas trop me vautrer. D'habitude, je fais comme j'ai plus de tablette graphique en ce moment, je fais des lives de digital sur ma Nintendo Switch. Mais du coup, c'est mon premier live traditionnel. Ah, bah cool. On voit un petit peu mes jambes aussi. J'ai pas de webcam. J'utilise mon téléphone en fait pour faire la webcam pour l'instant. Parce que j'en ai pas. Je vais essayer de pas trop faire de détails parce que le but c'est vraiment que ça fasse un lapin un peu creepy quoi dans le noir avec un aspect un peu fluorescent quoi, avec des tentacules de partout et tout. Tac. Un lapin, ça en met. Oui, comme ça. Ah. Il est trop rond. Il est trop rond. Tac. Je vais gommer. J'hésitais entre. J'avais deux options aujourd'hui. J'ai acheté une taie d'oreiller il n'y a pas longtemps pour mettre un oreiller derrière mon dos. Parce que je suis sur une chaise de table en fait pour faire mes lives, ce qui n'est pas hyper confortable. Surtout les barreaux de chaise au bout d'un moment. Du coup. J'ai pris un gros oreiller, je me suis acheté une taie d'oreiller, je voulais la customiser en live, mais mon plan de travail est pas terrible pour faire ça. Du coup, j'ai un peu abandonné l'idée, j'ai essayé de disposer tout à l'heure, j'ai fait un test de disposition, mais quand j'ai vu la place que ça prenait, je me suis dit je vais faire une catastrophe, me connaissant, il vaut mieux pas. Donc j'ai un peu légèrement abandonné l'idée de la taie d'oreiller. C'est dommage parce que c'était vraiment pour la customiser pour Halloween, donc ça aurait pu faire un bon live, mais malheureusement j'ai pas la place. Hop. Ouais, je sais bien, le souci c'est la place en fait qu'on a parce que, comment dire, notre appartement il est sous toit. Du coup, en fait, on a une table avec plein de chaises de table, mais qui est à côté je vais y arriver. Je ne sais plus ce que je dis. La table elle est à côté d'une des mansardes. Du coup. On peut pas mettre toutes les chaises de la table
sur la table, enfin sur les côtés de la table. C'est pour ça que j'ai une chaise de table en tant que voilà. Et pour la petite histoire, on va normalement bientôt changer d'appart. Donc à voir. Quand on aura un nouvel appartement, je me permettrai certainement envie de mettre de côté, de m'acheter une vraie chaise de bureau. Là, pour l'instant, c'est pas trop possible niveau place. Du coup, bah, je bidouille avec mon oreiller, quoi. Mon tentacule. Peut-être en faire de l'autre côté. Il faut que j'aise de la place pour des arbres aussi. J'aimerais bien faire des arbres un peu spooky. Réfléchis. Aïe. Mais oui, je rêve d'avoir un plan de travail plus optimisé que ça. C'est très bête, hein, parce qu'en plus, j'ai acheté une table à dessin, du coup, que je peux incliner dans pas mal de positions différentes et tout, mais j'ai pas la place de la mettre par terre, ce qui est très bête parce que j'aime bien peindre par terre, mais ouais, là, j'ai même pas la place de la poser sans être trop serré autour de moi, en fait. Sinon, j'aurais fait l'idée de la tête d'oreiller en live aussi, mais et là, c'est pas possible. Les arbres, j'ai réfléchi. Des grands arbres bien imposants. C'est pas en face. Tu fais des lives de temps en temps à une de nuit? Ah, peur de, du coup. Trop de monde qui venait en même temps sur tes lives, trop de pression. Tes pseudo-vacances. Ah. Ah non, si je mets ma main là, tu vas rien voir. Tac. Peut-être déconnecter ma souris aussi. Tac. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, en même temps, si t'avais des personnes pour faire des raids et tout ça, t'as eu forcément un peu de, enfin, du monde en peu de temps, en fait. Moi non, ça va. Pour l'instant, en fait, ce qu'il y a eu, c'est que je crois que j'en ai fait pendant 3 mois des lives. Et après, ça fait une grosse pause là de 2 mois que je fais. Parce que bah, j'avais pas le temps en fait de m'occuper de ça. J'ai eu pas mal de choses à gérer en vie perso. Et du coup, bah, là je m'y remets en fait. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Enfin, c'est con que ce soit la dernière semaine du mois d'octobre, hein, parce que du coup, ça va pas faire beaucoup
de live spooky. Mais ouais, comme j'aime beaucoup Halloween et tout, je me suis dit que c'était bien d'essayer de recommencer comme ça en fait. Enfin, de recommencer, de reprendre. Peut-être falloir que je réduise la taille de mes pâtés. Moi, je suis en train de lire du coup le truc de Streamlabs qui a popé. Faudrait que je réduise, ça fait beaucoup de lecture quand même. J'espère que ça va lui plaire. Ah, le template, enfin, la bannière Twitch qu'il y a dans le fond, comment dire? Tiens, il y a un deuxième spectateur ou c'est moi qui compte? Je ne sais pas, bonne question. Oui, je disais le template, t'as la bannière de ta chaîne Twitch où tu parles de ton template d'intro pour faire attendre le temps que tu t'installes. Oui, ouais. Ouais. Tu me diras, moi c'est pareil, de base j'avais prévu de refaire une bannière Facebook et tout, mais en fait il y a tout qui s'est un peu qui s'est passé très vite parce que de base je voulais améliorer mon matériel de digital et du coup je voulais passer à soit une tablette à écran soit un iPad. Et en fait, au final, je pensais que ça allait me prendre des mois de rassembler la somme en fait hein, pour le matos, parce que bon, enfin la tablette à écran c'est 200 balles minimum, et après l'iPad c'est encore beaucoup plus cher. Sauf que au final, j'ai une amie qui m'aide tous les mois en fait. Enfin, c'est un peu ma mécène, on va dire. Et du coup, je vais la voir là mi-novembre, mais du coup, pour l'instant, j'avais plus de matériel de digital, donc j'ai pas pu refaire ma bannière de page Facebook. Et je voulais faire un avatar aussi pour faire, comment dire, donner un côté un peu moins sérieux aussi à ma page Facebook, mon Twitter, tout ça. Essayer d'avoir un côté plus accessible en fait. Du coup, ouais, je voulais faire un avatar et tout, mais en fait, juste avec la Switch, c'est un peu compliqué puisque c'est pas non plus une qualité, c'est pas une qualité pro-pro. Et moi et ma perfectionnite aiguë, j'ai passé 4 heures sur un avatar sur ma Switch, et puis au final, je l'ai testé en profil, et puis je me suis aperçu que ça me plaisait pas, quoi. Parce que la qualité était finalement pas terrible, du coup je l'ai enlevé. Mais j'y avais passé 4 heures, donc bon, j'ai un peu perdu 4 heures de mon temps pour rien, mais des fois ça arrive. En même temps, refaire sa présentation, sa promo, tout ça, c'est pas forcément les trucs les plus simples au final.
T'as l'impression que ça l'est, mais t'as généralement d'autres exigences que ce que t'avais avant, et puis du coup, ça te plaît pas forcément au final. Après, moi, du coup, je sais pas, quand je serai affilié, je verrai bien. Oui, déjà, tes envies du moment, ce que toi, tu as envie de faire transparaître sur ta page, tout ça, ce que tes projets du moment aussi, tu peux avoir envie de vouloir montrer tes projets du moment. Donc oui, ça fait pas mal de choses à prendre en compte. T'as tes goûts aussi qui peuvent avoir évolué, tout ça. Enfin, voilà quoi, c'est pas si facile à mettre en place finalement. Mais oui, du coup la bannière Facebook au final j'ai un peu abandonné. Je me suis dit bah tu feras ça quand tu auras reçu ton matériel. Enfin, ton nouveau matériel de digital, parce que au final, je voulais faire une bannière qui représente l'histoire que je suis en train de mettre en place, et, enfin, le gros projet que je suis en train de mettre en œuvre depuis un moment. Mais là, je sais qu'avec quelque chose qui a une qualité digitale pas forcément terrible, ça va pas le faire, quoi. Je suis en train de faire tous mes arbres à la même hauteur, moi faut que j'arrête. Je vais en faire des plus petits. En tout cas, je suis content qu'on voit bien ce que je suis en train de faire, puisque je sais que les crayonnés, des fois, ressortent pas forcément hyper bien quand on dessine. Là, ça va. J'ai de la chance. Pourtant, j'ai pas une luminosité terrible là où je suis. Mais bon, c'est cool, du coup, c'est cool. La faire en mode Dalton un peu. Côté un peu mieux proportionné parce que là il y a trop tout qui est au même niveau. C'est pas très réaliste. Et oui, je suis hyper exigeant envers moi-même. Comme tu l'auras remarqué. En même temps, je sais que pour la mettre en peinture, ça va me prendre du temps. Mon téléphone sur le dessus. Bah, en fait, c'est-à-dire que j'ai pas le. Comment dire? En fait, je peux rapprocher. On va dire que je peux même attendre. Je crois que j'ai encore de la hauteur. Encore de la hauteur, tac. Je sais pas si tu vois mieux. Peux pas faire. On va dire que je peux pas trop faire mieux. Je peux peut-être même monter encore. Ah ouais. Là, je suis au max là. Hop. Attends. Tac, tac. Voilà. Là, je suis au max de la hauteur de mon trépied, en fait, concrètement. Donc là, je peux pas te faire mieux niveau hauteur. Je sais pas si c'est mieux pour toi, du coup, ou si c'est moins bien.
Et oui, j'ai toujours eu une façon un peu bizarre de faire les feuillages de mes arbres. Je sais pas. J'ai toujours trouvé que les arbres, ça ressemblait, tu sais, en hauteur à un peu des coupes afro, avec tout leur feuillage, parfois un peu en boule comme ça. Ou alors c'est le métissage dans ma famille qui parle, on va savoir. Eh ben écoute, au moins je suis pas le seul. Non, mais c'est vrai que les feuillages, c'est hyper, comment dire, c'est hyper détaillé. Mais moi, enfin, j'ai toujours eu un style très, très naïf, très abstrait. Du coup, bah, le haut de mes arbres, ça ressemble toujours un peu à des coupes afro, quoi. C'est assez particulier, mais bon, écoute, j'ai envie de te dire qu'il en faut pour tous les goûts, hein, et puis. On n'est pas tous à dessiner tous les détails des feuilles de machin. Des taches. Ouais, des taches aussi, ça peut marcher, hein, avec des taches de différentes couleurs. Tu varies les dégradés, les nuances, tout ça. Ça marche bien, je dirais. Ça peut faire un effet. Comment on appelle ça déjà? Bokeh, bokeh, je sais pas comment on dit là. Les effets de lumière là avec les ronds de couleur. Je sais pas si c'est encore très à la mode cette technique-là, mais je sais qu'à un moment j'en voyais pas mal passer. Ok, alors ça. Je dirais que c'est bon. Je réfléchis. Qu'est-ce que je fais en bas, moi? Bah, vu que j'ai dit que l'ambiance était sombre, bah, je pense que je vais juste faire un. Ouais, je vais assombrir sur le bas. On va pas se prendre la tête non plus. Ça sert à rien de faire 10 000 détails. Le but, c'est que ce soit que l'ambiance soit là. Surtout. De toute façon, je sais que ça va lui plaire à Benny. Tac tac. Tac. Voilà. Ah purée. Je me suis foutu plein de gris sur la main. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. La gomme de pain, peut-être boire un peu d'eau aussi. Bon, c'est le moment galère avec la gomme de pain. J'ai toujours du mal à la sortir de sa boîte. Tac. De toute façon, il n'en faut pas beaucoup. Allez, viens. C'est lequel le plus fin? Je crois que c'est celui-ci. Je me suis préparé mes trois pinceaux réservoirs en prévention du truc, mais j'ai toujours du mal. Je devrais peut-être mettre un scotch avec les tailles de réservoir, enfin les tailles de pinceau plutôt parce que j'ai toujours du mal à différencier. Ça, c'est une invention merveilleuse que j'ai découverte, tu vois, les pinceaux réservoirs, je connaissais pas du tout avant et c'est tellement pratique pour l'aquarelle quoi, tellement. Par quoi je commence moi? Et je suis en train de me demander.
Je devrais peut-être lui faire des poils à ce lapin quand même. Quoi que tu me diras, s'il est sombre, on va peut-être pas forcément les voir. Je réfléchis. Je réfléchis toujours à voix haute. Est-ce que tu lui fais des poils ou pas? Alors, ouais, l'aquarelle, ça fait un moment que j'en ai pas fait non plus. Et en fait, je te dirais, je me suis même pas. J'ai pas fait d'entraînement vraiment à l'aquarelle, c'est juste j'avais envie de m'y mettre. Et je trouve que je gère pas trop mal, on va dire. Mais ouais, les pinceaux réservoirs, c'est tellement bien, quoi. Tellement bien. Après, par contre, je sais pas encore faire de mélange avec l'aquarelle, mais on va dire que pour l'instant, vu que je voulais simplement m'y essayer, j'ai pas acheté de l'aquarelle, enfin j'ai pas acheté, tu sais, une palette qui permette de faire des mélanges et tout, enfin j'ai juste acheté, je suis tombé dessus à Centraccord, en fait, j'ai trouvé un truc je crois qu'il y a 18 couleurs dedans. Mais c'est une boîte métal et il n'y a pas de quoi faire les mélanges directement dedans. Donc pour l'instant, j'ai jamais testé de mélanger mon aquarelle. C'est juste vraiment, j'ai des couleurs et je les utilise, mais ça me suffit pour l'instant, vu que j'en fais pas énormément non plus, quoi. Du coup. Je réfléchis. Ça va être un peu compliqué là au niveau de la lumière. Je suis en train de réfléchir à laquelle je fais. En plus, il y a des couleurs, je sais pas trop ce que c'est. C'est pas grave, je vais tester. Je me souviens plus, ça fait 10 plombes que je l'ai pas sorti en fait. Tac. Ça a l'air d'être. Ouais, c'est un marron foncé. Ok. Ben, du coup, je vais m'occuper de la terre déjà. Je vais faire le line de la terre. Suis en train de prier intérieurement pour pas faire de conneries, vu que ça fait 10 plombes que j'ai pas fait ça. Hop. Avec un petit récipient en plastique. Ouais, ben faudra que je tente. Faudra que je tente. Mais après, bon, la palette là, même si j'ai trouvé chez Centraccord, je te dirais franchement, niveau. Comment dire? Niveau couleur, c'est pas dégueu, quoi. Il y a déjà pas mal de choses en fait. J'ai du orange, du rouge, du rose, bordeaux, violet, plusieurs bleus. C'est pas trop mal. Je réfléchis. Les arbres en arrière-plan. Les arbres en arrière-plan, quelle couleur? Je dirais que je reste sur le marron foncé. J'ajouterais peut-être un peu de noir pour. J'avais pas mon gris. Non, ça m'a pas l'air. Ouais, non. Ah, c'est pas grave. Hop. On va rester sur le marron foncé. Et faudra que je vois avec le noir ce que je peux faire. De toute façon, je suis un peu. Je suis souvent bidouille sur ce que je fais. Et j'arrive toujours à me débrouiller en bidouillant. Comme ça que j'apprends.
C'est bien de faire des tests, des fois, sans trop se prendre la tête. C'est le moment où je me concentre énormément parce que j'ai la tremblote. Du coup, si je veux pas faire un line dégueu, faut que je fasse hyper gaffe. Mais du coup, tu travailles avec quoi plus œil de nuit si tu fais pas beaucoup d'aquarelles? Digital, ouais. Moi, je faisais beaucoup avant de me mettre au digital, c'était beaucoup de la peinture et du marqueur. Et beaucoup de croquis aussi, j'adore faire des croquis. Il paraît que Huion, c'est bien comme marque, c'est une bonne marque. Ah, salut, Titoute Karine. Ktarine, pardon. Pouh, je ne sais plus lire. Suis en train, du coup, de faire un lapin Slenderman. Voilà. C'est une amie qui m'a commandé ça. Et eh ben je note, je dirai tite la prochaine fois. Prochaine fois qui enfin, en tout cas, je live sûrement une deuxième fois cette semaine. Je m'y remets doucement. Hop. Et je me remets à l'aquarelle aussi doucement, du coup. Vu que ça fait diplôme que j'ai pas. Alors, j'utilise là, c'est du papier à grains de mon Super U et de l'aquarelle du coup de centre à corps et pinceau réservoir. Comme je disais à U de nuit, enfin, j'avais acheté du matos pour tester surtout l'aquarelle pour l'instant. Et j'en ai pas encore fait énormément, mais quand je gérerai bien le truc, j'aimerais bien avoir une aquarelle quand même plus quali qu'une palette de centre à corps, quoi.
Après, pour l'instant, ça fait le taf, hein, mais ouais, c'est vrai que ce serait plus sympa d'avoir, bah, par exemple, une palette Van Gogh. Elles sont pas trop chères et elles sont sympas, donc voilà quoi. Oui, voilà, ouais, c'est pour ça. Et puis là, l'ami qui m'a commandé son Bunny Slender, c'est quelqu'un que je connais bien, et c'est une personne qui m'aide beaucoup. Donc en fait, c'est un peu un cadeau que je lui fais aussi, parce qu'elle m'aide énormément à acquérir mon matériel, tout ça. Donc voilà quoi. Puis comme ça me fait un bon prétexte pour faire un live spooky, vu que j'ai pas eu le temps d'en faire avant, quoi. Les pinceaux réservoirs, je les avais eus, je crois que je les avais eus sur Wish, mais ils tiennent bien, ça fait un moment que je les ai, ils se sont pas encore désagrégés dans mes mains. Tout va bien. Puis pareil, ils font le taf. Tac. J'aurais sûrement pas fini mon live avant de m'en aller. J'aurais bien avancé déjà. Moi j'adore, franchement, c'est une bonne découverte. Je connaissais pas du tout et je pensais que vraiment pour faire de l'aquarelle, tu sais, il fallait avoir le gobelet et tout, comme quand tu fais de l'acrylique, quoi. Et quand j'ai découvert ça, je crois que. Attends. Ah si, je sais comment j'ai découvert ça. C'était bah, pendant des conventions en fait. On va d'habitude, enfin tous les ans, on va au Geek Days de Rennes avec Malouf du coup. Et les artistes qui sont là en séance de dédicace, souvent, ils ont des pinceaux réservoirs avec leur aquarelle du coup. Et c'est comme ça que j'ai découvert ça. Et j'ai trouvé ça hyper... Bah, génial juste d'avoir bah, l'eau directement dans ton pinceau, pas devoir te trimballer avec ton gobelet tout le temps et tout, le truc bien chiant quoi. Et du coup, ouais, ça m'a donné envie d'en acheter pour tester. Le seul truc dommage, c'est que nous, on n'a pas de action à côté de chez nous. Merde, elle est où, madame? Elle est là. Du coup, bah, je suis toujours obligé de commander en fait un peu mon matos artistique à moins que j'ai quelque chose à faire directement sur Rennes. Du coup, à ce moment-là, bah, j'en profite aussi en même temps pour aller directement dans un magasin de fournitures artistiques. Mais le souci d'Action, c'est qu'il est dans une zone reculée de Rennes par chez nous. Et du coup, t'en as pour pas mal de temps de trajet juste pour aller à Action. Et en fait, c'est pas du tout rentable au final d'y aller. Sauf si t'as vraiment autre chose à faire que d'aller à Action dans la même zone. Mais sinon, c'est pas rentable d'aller à Action, quoi. C'est ça qui est dommage. Parce que c'est vrai que souvent je vois des publis de personnes. Ouais, apparemment, nous, en Bretagne, il est quand même pas mal grand le
de Action. J'ai un ami qui habite à côté. Il a de la chance, mais bon, lui, il est pas créateur en fait. Donc, il y va parce qu'il aime bien faire des maquettes en fait. Il fait beaucoup de maquettes de puzzles et tout. Donc, il lui faut de la colle spéciale, cutter, ce genre de choses. Mais enfin, plus du matériel de précision en fait. Ah, salut Mifasiol. Comment ça va? T'as vu, je fais du tradi aujourd'hui. J'ai changé un petit peu, je fais pas de digital. Hop. Bah écoute, ouais, ça va. Vie pas mal chargée là depuis 2 semaines, donc de même depuis 2 mois, je dirais. Donc je reprends seulement maintenant, tout doucement. J'espère qu'on va pas, qu'on m'a pas trop oublié depuis 2 mois. C'est hyper pas régulier, quoi. C'est pas sérieux, mais j'ai pas eu le temps. Hop. Mais oui, Action, ça attire beaucoup de monde, mais en même temps, Action, c'est tellement bien, quoi. C'est tellement bien, je regrette tellement de pas l'avoir à disposition plus facilement. Je pense que... Ah bah, je ne t'ai pas oublié non plus, t'en fais pas. J'ai même pas eu le temps d'aller voir les streams des autres pour te dire comme ça a été chargé depuis 2 mois, mais j'ai oublié personne. Et j'ai essayé de participer au moins au serveur en attendant de pouvoir revenir, quoi. Hop. Hop là. Ah, j'ai mis de la peinture sur ma gomme. Sniff. C'est pas grave. J'ai plus les yeux en face des trous. Il fait hyper noir là d'un coup. Faut vraiment que je m'achète une lampe de bureau parce que ça va pas du tout ça. Tac. Ah. Eh bah écoute. Peut-être que je pourrais être là ce coup-ci, ça va mieux, ça va être moins chargé au niveau du mois de novembre. Donc je vais pouvoir m'y remettre moi et je vais peut-être pouvoir re-suivre ceux des autres plus facilement. En tout cas, ça pourrait être bien. Je dessine à l'aveugle. Non, non, je vois, t'en fais pas. Je vois, c'est juste que en fait. Que tu vois, ça là, ben, en gros, la plateforme, elle est au-dessus de ma feuille. Mais je peux pas vraiment la décaler en soi parce que ça, si je la décale, ça tape dans mon trépied. Vive l'optimisation de bureau, très, très sympa, quoi. Mais non, je vois, mais c'est juste que ouais, il me faudrait, comment dire, là, l'ampoule, c'est une lumière jaune, il me faudrait une lumière blanche, ce serait plus sympa pour voir justement quelque chose. Puis écoute, va savoir. Ah, bah salut Tite, bonne soirée. Qui va savoir, peut-être que les aveugles ils font comme ça aussi, hein. Ils ont pas de lumière. Tu crois qu'ils font comment pour peindre, hein? Ça peut donner des choses intéressantes, hein, aussi, de peindre dans le noir. Va savoir. Ça se vendrait même peut-être mieux, on ne sait pas. Le bruit de ma gomme mi-pain m'irrite, je te jure. Essaye. Ah bah écoute, peut-être que un jour je me mettrai dans le noir avec une feuille format raisin là, sur ma table à dessin et je te ferai un putain de truc abstrait avec plein de couleurs et tout. Ça ressemblera à rien, mais il y aura toujours des gens pour interpréter un truc, tu vois. C'est ça qui est drôle avec les personnes. Chacun voit ce qu'il veut voir dans la peinture.
Toujours intéressant d'avoir les interprétations des gens. Hop. Puis ce qui est bien, c'est que bientôt, j'aurai plus de soucis à parler beaucoup en live parce que je vais avoir mes prothèses auditives bientôt. Donc j'aurai plus le souci. Ça va changer la vie, je pense. Hop. Ah. Eh ben, tu vois, je t'ai motivé, comme quoi. Suffisait d'en parler un peu, tu vois, pour que ça te motive à le faire. Bon, après, tu me diras le mien, franchement, ma scène d'intro de Twitch est pas hyper détaillée. Le template, c'est un truc que j'avais fait pour un catalogue de conventions et que je réutilise pour en fait plein de trucs pour présenter mes produits et tout ça. Et du coup, bah, il y a juste mon logo par-dessus. Je me suis vraiment pas foulé pour le coup, franchement. Mais voilà quoi. Je ferai sûrement un habillage de scène plus tard. Un vrai beau habillage, quoi. Un beau cadre tout autour de mon écran. Ce sera plus sympa. En tout cas, c'est hyper intéressant de faire ça parce que c'est bien la première fois qu'on me demande de faire un truc un peu spooky, un peu effrayant. Ah oui, bah là oui, forcément oui, ça fout la pression quand même un peu. Je ne savais pas qu'on pouvait arriver à des niveaux tels que celui-là. Mais en même temps, je crois que pour l'instant, j'ai pas encore eu. Enfin, on m'a pas fait le coup de me faire un raid, donc moi j'en ai déjà fait pour d'autres personnes. Enfin, pour ouais, rapatrier chez d'autres personnes, mais moi on me l'a pas encore fait ce coup-là. Mais ouais, j'avoue que ça doit être pas mal stressant en fait. Du coup, je me dis que je suis bien là dans mon coin avec 3-4 personnes qui regardent. Ah, mais attends. Ah, mais si. Ouais. Mais c'était pendant la convention, Samy Facial, je crois. Je crois, je suis plus sûr. Tu vois, moi et ma petite mémoire en ce moment, faut pas m'en vouloir, mais je retiens rien en ce moment, je t'assure. C'est très énervant. Je fais des trucs, j'oublie. On me dit des trucs, j'oublie. C'est terrible, je te jure. J'ai l'impression d'être un vieux. Et pourtant que j'ai que 27 ans, ça ne va pas. Ouais. Eh bah oui. Non mais tu vois, j'ai oublié. Est-ce que tu me pardonnes, au moins? Tu sais pas. Ah bah mince alors. Bon bah peut-être que du coup je vais oublier moi aussi à ce moment-là, hein, de faire des raids sur ta chaîne. Je suis une méchante chose. Tac. Hop. Casse la tête ce bruit de gomme de pain. Hop. Hop là, je vais finir mon arbre et j'arrêterai là pour ce soir. J'aurais déjà pas mal avancé, je vous dirai. Tac. Enfin, l'arbre d'au-dessus aussi du coup. Et après,
Je vais m'arrêter. Et ah non, mais et pas quand même, pas à ce point-là. T'exagères pas un peu là, quand même. C'est marrant, mais. Non, mais c'est bien, hein, tu fais marrer. Tu fais marrer les autres personnes aussi, comme ça. Ah, je te jure. Mais non, je vais pas oublier. Voilà. Voilà. Ah, après, c'est con. Il me reste plus que 2 arbres en fait. Je vais finir mes arbres, hein. C'est pas pour 5 minutes de plus. Quand même, j'aime pas ne pas avoir un line fini. Là, j'étais sur les arbres, je finis mes arbres. Voilà. Et du coup, ça va mieux quand même au niveau santé, mi-faciale. Faudra que je reprenne Fez aussi. J'avais fait que un live au final. Et j'ai pas continué Fez. Honte à moi. Hop. On va dire oui. C'est pas juste pour me faire plaisir au moins. Non, parce que les cookies avec moi, ça marche moyen, tu sais. C'est la boîte à cookies du oui, ça va bien, mais en fait, je te le dis, mais juste pour te faire plaisir. Tiens, regarde mes beaux cookies. Et oui, je compare ce que tu me dis à une boîte à cookies. Là. Bon, bah voilà. Hop. Je crois. Oui. Ouais, si, c'est bon. Eh ben, la tête des arbres au prochain numéro. Je vais rallumer ma souris, moi, parce que sinon je vais pas y arriver. Ah, ouais, le titre, c'est pas cool. Bon, du coup, bah, on va s'arrêter là, hein, pour ce soir. Et normalement, je continuerai, je ferai la suite dans la semaine, en live, toujours. Merci d'avoir suivi, hein, du coup, et puis des bisous à tout le monde. Passez une bonne soirée. Et ouais, on se retrouve bah, du coup fin de semaine, hein, pour la suite. Voilà.